Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de cette aventure Dead Island 2. On est reparti avec notre petite Clara. On vient d'arriver à Monarch Studio. Il y a un espèce de bruit de moteur bizarre. Très bien, allons-y. Alors jetons un œil à la carte. Ok, d'accord, c'est vraiment Meet the Star autographé 20, Rise of the God Spider, Normandy Sunrise, The MU Protocol. On peut retourner à Beverly Hills par là, tiens, intéressant. Oui, donc on va certainement devoir traverser et au bout d'un moment, ce sera la merde. F4 joueur. F2, quête disponible. Très bien. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle dans le chat, mais désolé, il y a le truc de drop Twitch là qui prend toute la place. Donc bonjour, probablement Canton peut-être. Désolé, excuse-moi. Et on est reparti. Alors du coup, visiblement il va falloir qu'on rentre de toute façon. Il n'y a qu'une seule entrée. Ok. On a une petite serrure magnétique à ouvrir ici. Ça a l'air plutôt plutôt calme niveau zombie en tout cas. Ah, j'ai des emplacements de compétences vides. Ah bah oui, c'est très con. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Le coup volant affaiblit les zombies. Eh oui, Kenton, c'est bon, je vois ton message. Bah oui, je l'avais pas, enfin, c'est vrai qu'en tant qu'admin, c'est un peu bizarre d'avoir le message de drop, mais là, il est apparu et du coup, il me cachait le haut du chat. Désolé, mais il devra bientôt disparaître la jauge, j'ai quasiment vide. Je me demande si je vais pas reprendre le truc des trousses de soins. Sinon, il y a bloqué, mais ça, c'est bloqué au bon moment. C'est nous, maintenant qu'on fait de l'esquive, on bloque plus. Donc je pense qu'on va prendre ça. Alors et du coup cette voiture qui s'est bouffé un arbre, est-ce qu'il y a des trucs intéressants à prendre? Il y avait un petit peu d'argent, ok très bien. Là-bas ça a l'air d'être défoncé. Alors comment on ouvre cette porte? Ok tout simplement là. Est-ce qu'on a un petit truc pour taper dessus? Allez hop. Clé de glacière d'un agent de sécurité. D'accord. Bon, c'est plutôt simple. J'entends des bruits. Not getting in this way. Logique. Là, c'est un petit peu trop haut et denté pour escalader. Where would he be? Ok, on commence à voir du zombie. Ça va falloir qu'on fouille, hein. Ok, t'es mort. Sympa comme caravane. Ces petites caravanes là, on peut monter? Non, on peut pas monter. On peut pas prendre une petite voiture. Ok, premier mort du stream, c'est fait. Il y a une caisse là. Fatalité. Fatalité, tu es sans zombies avec des coups de grâce, d'accord. Bon bah. Ça c'est fait. Ah merde, qu'est-ce qu'ils font eux?
Moi, si je peux le faire ça? Non, hein, c'est parce qu'il y a une poubelle de l'autre côté qu'ils ont pu faire ça. Les petits enfoirés. Close for cleaning, très bien. Il y a un contaminé qui nous a vu. Il y a une espèce de bruit de moteur là depuis tout à l'heure qui me perturbe. Ah sa mère. Ok, ça ça pète. Zut. Du coup ça fait un petit peu de bruit. Bon ça va, ça a l'air d'être gentil. Alors attention au truc explosif. Hein. Il nous faut une autre arme parce que là... Ok, il y a son copain qui arrive. Il me stresse ce bruit. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a un espèce de bruit de moteur qui me stresse. Petite barre protéinée, une petite boisson. Make-up plus dressing. Ah, un établi, ça c'est cool. On va pouvoir réparer nos petits objets. Pour l'instant on va les garder parce qu'on a besoin de trousse de soins. Non, on en a 5. Est-ce que les établis sont marqués sur la carte? Oui. Parfait. Et on doit le trouver dans cette zone d'ailleurs, Michael. Laissez-moi accéder à mes produits chimiques. Quitte à péter les cabines de douche, rien à foutre. Donc là-bas c'était fermé. S'il n'y a rien. Si on peut passer, tiens. Après Kenton, le drop c'est intéressant si t'as pris le jeu du coup quoi. C'est vrai que sinon... c'est moins utile, on va dire. Alors là-bas il y a de la lumière. Vernon. Ok, Vernon n'est plus. On lèche la dinde. On lèche la dinde. Opération grosse lèche pour la dinde. L'opération avance, je suis en train de l'amadouer. Le fameux charme de Monsieur Wong fait son petit effet. Je veux juste rester prudent et rien forcer. J'ai découvert qu'elle aimait le tennis, donc comme par hasard je l'ai croisée à son club. J'ai fait bien gaffe à la laisser gagner. J'ai mentionné le scénar en passant et que le soutien de la grande Emma Jaune sera un truc terrible, mais vraiment sans insister. Hein. Juste planter une graine pour plus tard. Une semaine à lui faire de la lèche comme ça, et je verrai si je peux m'arranger pour qu'elle passe 2 ou 3 coups de fil. Productrice exécutive, c'est comme si c'était fait, et ensuite on casse tout. Ok. Les mecs qui tente de draguer la productrice. Étoffe c'est plein. Ok, on sort. Alors là il y a une grande zone. Là il y a du carburant. Toi t'es mort toi? Ouais t'es mort. Toi par contre t'es pas mort. Allez, encore un peu, mi-life. Oula, il est parti où? Putain, enfoiré. L'autre il est mort. Vas-y, suffit un peu. Oh, on va se détendre là. C'est où ça? Bon, du coup, il y a du pack de soins. On va pas s'emmerder, on va la prendre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, je suis assez d'accord, c'est quoi là? C'est un peu dégueulasse.
Et en plus, il y a des choses qui crient. Ça me plaît pas trop. On commence à être vraiment plein. Ah, il y a les clés. Clés du plateau. Yes, please. Parfait. Les clés du plateau numéro 7. On va continuer de fouiller. Ah, ça, ça doit être la fameuse zone de dédicace. Oh mon dieu, Kian s'est levé, il saigne du cou, l'équipe s'occupe de lui. Espèce de con, je t'ai bloqué. Priez pour Elog, priez pour Kian. Je tremble de partout, je viens de voir quelqu'un mourir devant moi et Kian Clark s'est fait agresser, un garde l'a abattu. Il a mordu un type qui essayait de le tenir. Les voilà. Ok, visiblement, c'est dans le mauvais sens. Elle s'est pointée et c'est parti en couille. Logique. Oh, on a débrouillé une carte. Une nouvelle carte de tueur. Alors là, on avait bloquer des attaques ou subir des dégâts donne un bonus de dégâts et on a débloqué quoi? Faire tomber un zombie à terre dans un bonus modéré de dégâts aux armes à distance, lancer d'armes et objets à lancer. Ouais. Bah, on va garder ça, c'est pas non plus ouf, mais c'est quand même mieux. Ok, on soigne nos 10 PV qui manquent. Ah, on peut sortir par là. Pas sûr que ça nous serve à grand chose pour l'instant. Ok. Une caisse avec une petite hache dedans. Pourquoi se priver ? J'ai envie de tirer. La fibre synthétique. Je crois qu'il va être temps que je ferme un petit peu les volets. Histoire de garder l'ambiance. Ah oui, déjà on voit un peu mieux. Alors, je pense qu'on a quasiment fait tout le tour. Là, on revient par ici, j'imagine. Ouais, on arrive derrière le conteneur. Ça dit, j'ai pas été voir là. Non, c'est bon, c'est tout vide. On peut se recentrer par là. Et donc, on vient vers la porte. On a trouvé la clé. En toute logique. Oh merde. Connerie. Y'a pas de batterie à enlever. En plus je peux pas esquiver là où je suis placé. Cours, 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 cours. Avec du critique. Toi t'es mort. Voilà, toi tu suis. Toi tu tombes par terre. On t'achève. Ok. Bon. Ça y est, l'alarme s'est éteinte. Ah, il reste un coureur là. Ça n'a pas suffi à la tuer, mais au moins elle est par terre. On peut lui piétiner la tronche.
Maintenant, à nous deux. Eh bien. Ok, elle est par terre. On l'écrase. Hop, l'autre. Pareil, elle a pas assez perdu de vie. C'est bon. Alors, il y a toi qui m'emmerde. Allez, laisse-lui la vie. Parfait. J'ai pas le temps de la shooter. Bon. Et bah c'est pas tout ça, mais on a bien défoncé notre petite clé du coup. On pourrait croire que vu qu'il y avait un zombie qui tapait sur la porte, il n'y a pas de zombie à l'intérieur, mais... Oh, ok. This is really fucking cool. J'y crois pas trop, bizarrement. Always useful. Ok, un disjoncteur. Pourquoi pas. Sacré PV, c'est con. Aïe. On dirait qu'on commence à être un petit peu juste en DPS. I'm thinking badass spider door. Il est un petit peu con, on va faire le tour peut-être. Passer, non on peut pas passer. On peut escalader. Ah là il y a une place pour un disjoncteur, très bien. D'abord éliminer les saloperies. Salut. Putain, ça lui a tellement pas fait de dégâts. C'est abusé quoi. Derrière, on va aller récupérer notre petit disjoncteur qui est plus là. Bien, il est revenu en haut. Ah oui, il est revenu là. Ok, ça c'est bon à savoir. Si on récupère les objets et qu'on les place mieux, et bah ils disparaissent. Effets spéciaux. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée de les rallumer, mais bon. J'ai l'air d'avoir vraiment pas moyen d'aller là. Hein. J'ai l'air d'avoir un chemin quand même là-bas. Peut-être par ici. Non. On dirait pas. Effet spécial de pluie. Ah, ça c'est de l'effet spécial, d'accord. A mon avis, j'aurais dû ouvrir la porte d'abord et balancer le truc après. Ouais, voilà. Less amazing.
Locked from the outside. There's gotta be a way through the soundstage. Cours, ma petite, cours. Faire tomber les projecteurs là, c'est marrant. Non. C'est mort. Zut, c'est embêtant. Je suis pas sûr que l'explosion ait été particulièrement adéquate, mais bon, ça a pu en gérer quelques-uns. Ah, en plus il y a un gros tas. Écoute-toi. Avec la petite musique. Bon, du coup, faudrait qu'on les attire genre au centre là avec une petite bombe. Un truc comme ça, puis après on leur met une bombe dans la tronche. Eh oh, je suis là. Eh oh, je suis là. Pas mal, c'est pas mal. Celui-ci vite fait. Plus vite. Maintenant il reste toi. Ok, t'as quasiment rien pris. C'est pas cool ça. Alors il va nous falloir un truc avec de l'impact. Bon, ça. Pourquoi je peux pas esquiver? Merde, y'a un truc derrière moi, c'est ça? Étourdi là. Vas-y, faut, faut le chauffer, faut le chauffer. Putain, il y a déjà de l'eau. Saloperie de bestiole de l'enfer. Aïe. Allez, il est quasiment mort. Waouh, ça pique. Mais ça passe. Une petite boisson énergisante pour se remettre. Et du coup ici ça s'est ouvert aussi. Ok, très bien. On a le droit à un Wasigashi. Voilà qui est fort sympathique. Ah, c'est vrai que j'ai mon petit couteau aussi, j'avais oublié. Il serait peut-être efficace le petit couteau contre des gros tas là, vu sa vitesse. Bon bah, on va dans la porte. Aïe, magic ruined. Ouais, j'avoue. C'est un scandale. Telle déception. Continue à explorer. Tésor de chef. C'est une porte, mais... avant, voilà. Je savais bien qu'il y avait un endroit où il allait certainement pouvoir faire des choses. Alors du coup, notre petit Wasigashi, qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec? Alors on peut mettre des flammes dessus, on a plus beaucoup d'électrique je crois dans notre inventaire. Hein. Non, on a surtout de l'impact. On va peut-être démonter quelques impacts. Force 30, dégâts 172...
On va virer ça. Et toi, qu'est-ce qu'on peut faire de beau avec toi? On peut te mettre des flammes. On va mettre un peu de flammes. Et un peu de dégâts comme ça. Et toi du coup, on va te mettre de l'électricité et de la vitesse. Du coup, ça c'est le plus faible qu'on a en dégâts, on va le virer. Je l'ai réparé, je voulais le virer, c'est pas grave. Ça on va réparer, quoique non, ça c'est tout faible aussi. Allez, ça dégage. Ça on va réparer. Toc, 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 voilà. Allez, on va tester le couteau. Ah. Putain, ils ont pas pris tant de dégâts, hein. Le machin qui t'attaque sans les bras et tout, quoi. Ok, ça fait le taf. Bon, par contre... Oh non, sérieusement, elle m'a couché. Abusé. Tombe. Oh, il va encore tomber pas par terre. Voilà. Alors du coup, on a paru où? Ok, juste là. C'est ça, ok. La porte est là. Bon, ça va, on n'est pas parti trop loin. Bon, le couteau, c'est vrai que c'est rapide, mais ça reste un petit peu limite en contrôle des fous, là. On va prendre le bâton, plutôt. Coucou, Solbri. Ah, tu fais moi le malin, là, hein. Passer par au-dessus histoire de pas traîner comme une bite dans les couloirs, non. Nanananananana. Cool. C'est quoi qui est cool? Les trucs qui sortent du sol? Putain, ils sont costauds. Eh, hey, c'est bon, hein, on se détend. Regardez là. Oh, du Miami bon. Tiens, dans tes fesses. Elle est un peu faible, mine de rien, cette... Vite, pendant que toi t'es par terre. L'installation de la gold est lancée. Ah bah écoute, caneton. N'hésite pas à connecter ton compte pour récupérer le petit fusil à pompe qui va bien. Après, rien d'obligatoire, hein, parce qu'il faut connecter ton compte Twitch. Ah, un petit kit de soins. Alors là-bas, il y a un truc. L'avènement du dieu araignée. Dans un temple souterrain de nuit, une grande pièce principale taillée dans la roche millénaire avec d'immenses piliers de pierre qui portent un lointain plafond. Dos un pilier, Kim a les mains menottées un piquet en fer fiché dans la roche au-dessus de sa tête. Devant elle se dresse la grande prêtresse, brandissant fièrement la lance de Xumkas de sa main gauche, cette dernière savoure son triomphe. Ok. Elle va la sacrifier, elle pose le... la petite scène sexy de la grande prêtresse qui récupère le truc à l'intérieur de la combinaison. Kim, c'est une très mauvaise idée. Ignorant la remarque, la grande prêtresse dépose l'œuf dans la coupole, puis prend un peu de poudre dans une écuelle et la répand par-dessus.
L'œuf se met à fumer, la membrane se rompt et le liquide vert s'en écoule, tout lourd luisant. La coupe se met elle aussi à fumer, la grande prêtresse élève haut de sa main droite. Le battement part d'un crescendo effréné et un éclair vert jaillit de la fosse pour frapper la coupe, illuminant le visage radieux de la grande prêtresse. Les membres de la secte reculent terrorisés en voyant d'immenses pattes d'arachide velues émerger de l'abîme, puis une araignée horriblement gigantesque se hisser dans la pièce. La grande prêtresse pousse un cri de triomphe. C'est moi qui étais invoqué, moi, Ixazaluo, j'accomplis mon destin. La gigantesque araignée se dresse, pointant deux immenses pattes avant vers le plafond, puis braque des yeux malveillants sur la grande prêtresse qui se tient, lance brandie dans une main, coupe dans l'autre et tête renversée, prête à recevoir sa bénédiction. La créature crache un amas de venin verdâtre qui vient la couvrir des pieds à la tête et pousse un terrible cri de douleur en sentant sa chair se liquéfier. Quand ses os commencent à se dissoudre à leur tour, elle s'effondre en un tas de boue verte et on aperçoit derrière le visage horrifié de Kim. La lance et la coupe tombent au sol et cette dernière roule jusqu'au pied de Kim, encore remplie d'acide fumant. Quelques gouttes renversées commencent à attaquer la roche avec un sifflement. Ok, très bien, bon. Après, elle arrive à se libérer, elle tue l'araignée. Un grand classique. Ah, shit. It's locked. Alors là-bas, on a une zone de trucs. Oh, yeah, more things to press. Ah, par contre, est-ce qu'il faut que j'attire les gens? On va pas l'activer pour l'instant, ça. Parce que autant la pluie, on peut l'activer autant qu'on veut, autant tomber les projecteurs. Ça le fait qu'une fois. Ew, that caustic stuff again. Like it's stalking me. Or I'm stalking it. Ah, là il y a un effet spécial pluie, ok, donc pour dissoudre ça probablement. Oui, il y a une petite musique qui se lance là. Est-ce qu'il y a des ennemis qui seraient censés arriver? Pour l'instant non. On va faire pleuvoir, ça va dissoudre la gelée. Wonderful. Et nous voilà dans les coulisses. Il n'y avait même pas de gens sous acide, juste de l'acide sans gens. Alors est-ce que cette porte on peut l'ouvrir? Sauf par l'autre côté, non. Il y a encore du monde. Ah bah je suis dans un truc protégé là en fait. Putain, je peux pas esquiver. Bordel. Ok, faut que je consomme les trucs de soins là, parce que force de faire le malin, ça passe pas. Ok, là ça revient pas, c'est bon à savoir. Alors toi, en train de manger mon cadavre? Tiens, c'est cadeau. Ils recommencent à être costauds les petits traîneurs, dis donc. Joli mur vert. Encore ce bruit là. On va pas sortir tout de suite, on va aller voir à l'étage ce qui se passe. Caisse avec une épée d'officier inhabituelle. Et bien très bien. Notre pauvre bâton est un petit peu ensanglanté. Il n'y a pas trop de bout de cervelle accroché dessus, noté. Stabbed. Oh, it's Michael and his kitchen knives again. Et bah dis donc, il est efficace le copain Michael, mine de rien. Alors là, il y a une caravane. Il doit y avoir des ennemis parce qu'elle a levé son truc. Jimmy Montana. Ouf. Elle
Allez, cogne, cogne, plus vite, plus vite, plus vite. Ouh, il fait mal ce con. Il est mort, c'est bon. Ok, on a les clés d'un agent de sécurité, il faudra qu'on repasse à l'entrée à l'occasion. Une matraque de police, on prend. The Badge. Ok, c'est vraiment des scénarios, je vais pas tous vous les lire, hein, puis ça spoilera pas trop. Il semblerait que la cervelle a tendance à glisser. Ah, sur le beau, tu veux dire, sur le bâton? C'est possible, hein, c'est vrai que les clous sont pas forcément hyper efficaces pour la cervelle. Je sens que le boss de la zone, quand on va le trouver, ça va être une belle saloperie. Avec ses bulles caustiques dégueulasses là. J'espère que c'est pas, ça sera pas Michael transformé en monstre. Footprints. That's more like it. Effectivement, c'est plus facile avec les empreintes à suivre. Je l'accorde, je l'accorde. Petite barre. Que sont-ils devenus? C'est quoi? Un article People de la section sport. Ok, d'accord. Logan Carter, vous vous souvenez, au milieu des années 2000, le monde du football ne parlait que de ce jeune quarterback qui prend une victoire à l'arraché dans les playoffs en 2004. Il semblait bien parti pour mener les Texans au titre, jusqu'à ce qu'un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool mette fin à sa carrière. 6 fractures de la jambe, waouh, et une mort tragique pour sa jeune passagère. Lui qui semblait avoir disparu de la surface de la Terre vient d'être aperçu dans une station service du Montana, il est de retour au volant. Nous sommes d'abord demandé si c'était bien lui, mais ce tatouage ne ment pas. Monsieur Carter, si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, trouvez-vous un bon correcteur ou des manches plus longues. En 2004, il avait été l'homme le plus sexy du Texas. Avec sa nouvelle barbe et la véritable ablation du style dont il était victime, on doute que les supporters se précipitent pour revoter pour lui un jour. Oh, les articles au vitriol, quoi. Et bon, les traces. Which way now? Coucou. Eeny, meeny, miny, mo. Et rapprochez-vous là. Attends, il y a deux gros tas. Voilà, ça fait tellement pas de dégâts sur les écraseurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait tester le petit couteau sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Putain, il a foutu le feu à toute la zone, ce débile. Ok, ça c'est pas hyper pertinent. Je vous l'accorde. Tellement mal. À quand on va le faire juste rien, c'est même pas la peine de les combattre, on a fait tellement rien. Allez, on va se tirer. Ah, un groupe électrogène à batterie. Il y avait une batterie dans la voiture. Ma grande chance. Putain, Emma c'est vraiment la star hein. Aaron, tu as une seule réplique et c'est d'accord. Ne réfléchis pas trop. Prends ton chèque et passe à autre chose. Ma scène est vraiment la charnière du film. Oui, oui, effectivement. Putain, ça les arrête, mais même pas quoi. Et impossible. Meurs-toi. J'ai un de moins, voilà. Il y en a un deuxième, un gros tas. Si je fais ça, c'est pas hyper efficace non plus. Bon, visiblement, c'est pas le mieux. Hein. On va ressortir le petit truc comme ça, tiens. Oui, ça le paralyse l'électricité. Parfait. Pas longtemps, mais un peu quand même.
suis soigné là. Ah, saloperie. Putain, je suis coincé. Ah, mais d'accord, je suis coincé dans un mur. Aïe aïe aïe, ça pique. Bon, on va y aller avant qu'il regagne de la vie. On va leur balancer un petit truc comme ça, ça marche ça? Ouais, pas trop. Putain, l'esquive, ça marche pas avec eux, c'est un truc de fou. Comment ça se fait là? J'essaie d'esquiver, ils ont. Ils souffrent, ils ont que dalle quoi. On va utiliser la bonne vieille technique du. On esquive en tournant. Merde, je suis tombé au mauvais moment. Allez, il est quasiment mort là, c'est pas le moment de crever. Ok, un de moins. Ah, la violence. Bon, ça va qu'il est pas hyper punitif en guise de... de mort le jeu. Ah merde, il était trop... il est où? Il est là. Sérieusement? Il y en a un nouveau? Oh, c'est abusé! J'avais tué les deux là! Alors, ça, c'est dégueulasse, ce jeu! Sapristi, comme dit Chobiti. J'espère qu'il n'y en a pas un autre qui a popé par là. On n'a plus rien. Hein. Oh là là, il y en a deux nouveaux qui ont popé. Non mais vous êtes sérieux? Bon, ok. On va se barrer par ici. Ah ouais, là, faut un lance-flamme là. More prints. Is he doing this on purpose? Je suis assez d'accord, Canton. Hein. Voilà. Tu vas payer pour les autres. Ah, j'ai même pas eu le temps de lui écraser la tête. Dommage. Un atelier, ça pourrait être sympa. Putain, ça explose ça. Ah mais sérieux, on a aggro un... un brûlant en plein dans le pétrole quoi. Ok. Bon. Ah, une clé anglaise, ça c'est bon ça. On mange. Allez, on attend que ça s'éteigne, on ramasse les loot. Voilà. Un atelier, ça va peut-être devenir sympa parce que
mine de rien, à force de cogner sur des grosses 1, bah ça fout un peu la merde. Alors c'est con, j'aurais bien voulu voir ce que ça faisait là de mettre la batterie. On va quand même essayer. À la limite, on va les esquiver s'il faut. On va récupérer la batterie de la bagnole là. Hop. On la fout là. Ok, intéressant. Non mais j'ai plus rien pour me soigner là. Faut arrêter les conneries. Ouais, y'a le gros tas qui arrive derrière. On va esquiver. Il y a Grotta numéro 2 qui est là, mais l'avantage c'est qu'ils sont lents. Ok, on s'est fait filer, nickel. Qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Oh, c'est grand, hein. C'est bientôt cassé, on va prendre ça du coup, faute de mieux. Ici, il y a encore une caravane. Est-ce qu'on voit sur la carte s'il y aurait un atelier pas loin? On est ici, un coffre. Il y a un atelier juste derrière nous, là, dans la... qui doit être juste là. On va aller voir. Clé de la valise de Calidjo. Si on trouve Kelly, on pourra ouvrir sa valise. En attendant, on se soigne doucement. Est-ce qu'il va au bon moment rendre la santé? Ouais, il faut que je pense au cri de guerre là. Le cri de guerre, il peut me soigner quand même. Hein. Attention. Je dis attention et je marche dessus, bien sûr. Ok, c'était quand même le bon chemin, bah écoutez, parfait. Oh, un avantage hécatombe, ça c'est bon ça. Alors, réparons. Je pense que le bâton, il va être temps de s'en débarrasser. Ça fait quoi ça? Puissance d'impact augmente la force, ok. Donc là on a hécatombe, augmente les dégâts aux membres et la durabilité, c'est pas mal ça. Et la clé anglaise, un grand classique. On a enfin un mode qui fait que du positif. On va pas se gêner. Ouf. Ils sont sympas les skins comme d'hab. Hein. 203, donc ça on va s'en débarrasser. Est-ce que du coup là on peut... Ouais, on a mis ça, on peut en mettre un autre. La garde. Ah, on peut l'enlever si on veut, la garde. Enfin, en même temps, c'est un peu dommage. Non, on va garder ça. Et on va se débarrasser, bah, probablement de ça. J'avais pas eu un... Ah si, voilà, j'avais eu une épée d'officier, là. Affaibli, ouais... On a beaucoup d'aérosols, on va plutôt mettre ça, on va mettre hécatombe. Et on va se débarrasser de ça du coup. Ok. Toc 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 toc.
Tac, tac. Est-ce qu'on pourrait pas construire quelques petits comme ça? Voilà, on s'en met un petit peu d'avance. Il faut que je me souvienne que j'ai ce truc là aussi pour les gros tas. Alors, et plus si affinité. Une forêt idyllique de jour. Ok, c'est encore un scénario. En plus, un truc comique avec du public qui rigole. L'enfer absolu. Michael came this way, but so did the goop monster. Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout par là qu'il passait, Michael, d'après les traces de pas. Where'd he go from here? Only way is down. Certes. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas moyen d'aller plus loin. Bah si, on pouvait, mais on arrive au même endroit. Ok. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Elle remonte, mais pas tant. Hein. Extincteur du bureau. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'allumer les extincteurs? Ça, c'est une bonne question. He took the elevator? It's okay, no rush. Retenez vos nouveaux avis jusqu'à l'arrivée de l'ascenseur. Putain. Ça, ça fait quand même du bon dégât. Hein. Allez, barre-toi. Hop, demi-tour. On va lui mettre une petite... Ah merde. Allez, va bouffer le truc avec tes copains. Non, tu veux pas. Ah mais il y en a partout quoi, même à côté de moi. Pour l'instant ça les distrait. Pas très longtemps mais ça les distrait. Putain d'enfoiré. Okay, pendant qu'il y a un électrique dans le tas, on va allumer. Wouah. Comme ça pète. Ça suffit un peu les conneries là. Vite. Ah putain, il n'a pas mis life. Waros. Décède. Qui d'autre? Décède avant qu'il explose. Cul. L'ascenseur est toujours pas là. Nickel. Il est pas mal ce gros marteau. Je vais vraiment servir plus souvent. Sérieux. Oh la vache.
safe le vieux faux ascenseur, on attend comme des cons quoi. Alors là-bas il y a une grosse araignée. Là-bas il y a une caravane. Avec un établi, parfait. On va réparer notre marteau. Hop, qui fait quand même bien le taf. On va s'y faire peut-être. Ouais, c'est beau le cinéma, hein, j'avoue. Il y a même le timer de l'ascenseur, alors qu'en fait, bah, t'es en train de crever et que c'est pas, c'est même pas un vrai ascenseur, quoi. Bon, Michael, j'imagine que le monstre c'est pas la méga araignée là. Parce que sans vouloir dire que c'est un petit peu de mauvais goût, c'est un petit peu de mauvais goût. Oh, il y a un truc avec un fusible juste là. Nice. Faire un tour vite fait, ou le piège. Avec le contaminé qui est en dessous en plus. Ça va activer le piège. Non, ça va. Par contre, je comprends toujours pas comment faire pour les désamorcer. Ou alors, faut que j'aille ici peut-être pour désamorcer. Ah, ok, c'est à désarmer de ce côté-là, très bien. Permet de récupérer un petit peu de loot. Un couteau en bois de serre. Ils aiment bien me filer des couteaux. Hein. Dans la vache, il y avait trois fusils prêts à allumer là. Alors, du coup, si je passe, ça fait rien. Ouais, je suis en vie. Bon, Michael, j'espère que t'as encore en vie. Hein. Je m'excuse, mais il y avait du loot à prendre. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé, ce con? Look at that fucking spider. C'est vrai que c'est un bel animatronique, hein. Ça, ça ressemble un petit peu trop à une arène à mon goût. Alors, qu'est-ce qu'on a? Effet pyrotechnique, effets spéciaux venant d'araignée. D'accord. Et là, on a quoi? Effets spéciaux venant d'araignée encore. Bon, on va pas les activer pour l'instant, ça peut nous servir. We're in trouble. Look out! Go, Michael! I got this! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hey, that is, we need to kill it! You think? Bon. Spider venom? With the shot! Non, visiblement, ça fait rien. Les effets pyrotechniques, plutôt? Bring in the heat! Ah la vache, et crache dessus. Ok. On peut venir là? Ah putain la vache, bon, ok, va falloir aller au contact visiblement. Gros truc dégueu qui me crache du venin dégueulasse. Je vais faire un petit cri. Ça vomit donc, ça me convient. Elle est à terre, elle est à terre. On peut la cogner. Il y a un truc qui arrive derrière là. Putain, il y en a un peu trop partout. Là. Courez. On va faire un petit tour du truc pour voir ce qu'on nous propose. Explosion du camion, ça a fait le taf. Petite barre protéinée. Ah merde. Arrête de crier toi, ça suffit comme ça. Tu m'as l'air d'être potentiellement explosif toi. Cours. Oui, tout à fait.
Alors elle est où, machine? Elle est là en train de vomir. Bordel! Comme ça fait mal. Oh, les ralentis qui te font des visions infernales. Toi, faut que tu meurs par contre. Un autre truc ici. Ah, un kit de soins. Viens par là, un petit peu de loot, hein, ça mange pas de pain. Où on en est? Est-ce qu'il peut me toucher à travers ça? Pas dit. Il va balancer une petite bombe dans le tas. Merci de mourir. On a réussi à lui foutre les flammes, absolument pas. Ah là là, il est dans son truc caustique là. Je suis obligé d'esquiver dans la... dans la merde. Massacrez-les. Faisons ça alors. Non, dites à Michael que vous avez tué celui qui le suivait. C'est bon, tout le monde est mort? Parfait. On va se balader un peu. C'est fluide ces trucs, exactement. Ils étaient un petit peu énervés, j'entends encore du bruit mais... Ouais non, c'est juste l'araignée qui bouge. On s'en est pas trop mal sorti au final. Il y avait encore d'autres effets spéciaux là, encore du venin, des effets pyrotechniques. Ah, those guys really need to up their personal hygiene. Are you okay? I'm fine, just a bit hot. Hold up, that's what this was about, a Romero? Emma's Romero, but of course not. Look, medical supplies. Someone sick? No, no, well, not yet. It's not like insurance is worth anything these days. We'll need these to, you know, keep us safe. I am helping. Yeah, you done all right, man. You and Emma are pretty tight, huh? She's giving me more than I can ever repay. I can't be what she needs. I can't protect her. I got a way out for all of us. You can help keep Emma safe. I just don't know if she can do what she needs to do. She can do anything. So you gotta show her that. Okay. Le fait qu'il est un peu chaud, ça paraît quand même douteux. Hein. You're there? It's Sam B. Roger. Heard you was in the hills. Me too. Got a line on some guns. Pew pew! Sounds perfecto. No doubt. Come meet me. Come on, let's get going. You don't want to get bit. Well, you don't need to worry about that, okay? I'll be fine. Just go get those guns. You good? Mm-hmm. Okay, catch you later. And thanks. Mm-hmm. À mon avis, ça sent l'arnaque. Alors, on a une nouvelle carte ici. Qu'est-ce que c'est? Donne un bonus mineur de dégâts aux attaques contre des zombies à terre. Ouais. Mouais, mouais, mouais. No way I'm doing all that again. Gotta be a shortcut out. Bah oui, rien ne s'est ouvert ici. Un sympathique petit raccourci. Avec des petits nounours. Et oui, je bêtis des nounours. Hache de liquidation. Ah, une hache qui fait du caustique, tiens.
Flamme, flamme, toi t'es un petit peu fatigué. On va prendre la hache de liquidation. Et en vrai, on va prendre le petit marteau avec son cylindre de bagnole au bout là. 2 stars out of 5. Too much goop. Sweet effects though. What a radio? Voilà, c'est une zone sans zombies. Yes, you're through to Carla. Livy, legend in the flesh. Okay, it's clear you're alive. I have a friend who needs help. Any chance you could get to the Halpern Hotel, like, soon? Maybe. What's the issue? I'm... Hold up. Ah. I'm Hannah. I'm hunkered down with my BCLA buddies in the rental we share in the Venice Canals, but I've lost contact with one of them. Rav. He's a med student. I think I know why he's not returning your calls. You haven't seen the Bobcats in action. He's a survivor. And he's been making... unique weapons. He'll make it worth your while. I've seen dumber people still alive. Alright, let's get to the Halperin. Ouais, on va faire... cette quête-là, tant qu'à faire. C'est suspect les griffures de Michael, ouais je pense qu'il est un petit peu trop serein en mode non non c'est bon je suis pas blessé, tout va bien, c'est la teuf, pas de problème. Bon, par contre du coup on a trouvé la clé du coffre. Ah il y avait un truc ici. On a trouvé la clé de ce coffre. Il n'y a pas vraiment de moyen de revenir quoi. C'est un petit peu abusé. Il y a un coffre ici aussi. Je sais pas vraiment s'il y a un vrai intérêt à refaire les zones dans tous les sens pour obtenir les trucs quoi. Les loots dans les coffres sont pas non plus monstrueux quoi. Alors on va réparer notre petit marteau qui fait que 200 mais qui a un bon impact quand même hein. On va se débarrasser de ça. Pour pouvoir le rééquiper et ce truc là ouais, se débarrasser aussi. Hop. Un qui est tombé, non c'est bon. Bon on peut peut-être quand même passer à Beverly, faire la quête principale avant la quête secondaire, parce que la quête secondaire faut qu'on retourne à Bel Air, je crois. Je vais vérifier mais il me semble. Alors déjà, joueur, t'es où? On est où? On est ici, d'accord. Il y a une quête disponible, hein, juste à côté de nous. Non, on est là, oui, ok, je sais pas ce qu'il fait. Et elle est... Ouais, c'est une nouvelle zone, l'hôtel, ok. Bel Air, Beverly Hills, Monarch Studio. Ouais, on va peut-être faire la quête principale quand même. Hop. Quête active de type objet trouvé. Suivez la piste dans Beverly Hills grâce aux journaux d'entretien. Ah oui, c'est vrai. Il y avait la quête avec l'épée ancienne. Sam, là. In Beverly Hills. Where are these guns? Me and Ronnie are headed to 12 Ark Hill Ridge. Meet you there. Le 12 machin truc, c'est juste en face. Ok, là on a un atelier et là il y a un truc qu'il faut qu'on trouve. Mais il me semblait qu'on pouvait mettre un... Ah, on peut mettre un point de navigation, c'est bien ce qui me semblait. On peut dire voilà, toc, je suis allé par là. Juste derrière ce mur. So Field got the key and he headed down to fix some kind of problem. Les gars, tout le système est engorgé, je descends à la salle d'OP pour voir si je peux déboucher. Si les soldats repassent, c'est moi qui ai la clé des commandes.
Ouh. Des shurikens électriques. Ok, bah ça tombe bien. J'ai envie de dire. Contaminé, hydraté. Porte sur le dos un sac à dos en eau minérale, pétillante sous pression, mais n'essayez pas de leur en acheter. Certes. Et du coup, c'est devenu la quête principale, cette quête-là ? Bah, visiblement. Intéressant. Alors. Ah, this is caustic slime like at the Halperin. Gotta shut these waste pipes off. Ok, on peut temporairement nettoyer. Et si ça remonte, ça s'arrête. Valve wheels missing on this thing. Tant qu'on n'a pas le volant, on l'a dans l'os. Alors allons par ici, qu'est-ce qu'il y a de beau? Un volant, fantastique. Valve wheel. C'est parfait. See ya, gross caustic shit. Need some water to wash it away. Allez, un peu d'eau. Lui, on va dire qu'il est mort. More caustic stuff. Where's it all coming from? J'avoue que c'est étrange. Par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est les attirer du coup. Coucou. Ça vous dirait de venir bouffer un peu de caustique? Visiblement c'est raté. Oula, qu'est-ce que c'est que ce gros truc de l'autre côté? C'est un écraseur ça? Ah oui, c'est un écraseur. Putain, ils courent vite hein les cons. Écoutez. Ça va, c'est moins dangereux, on va dire, l'explosion de d'eau pétillante. Ok. Alors, est-ce que je peux refermer? Là, on a de l'eau. Ça, ok, ça nettoie ça. Ici. Ça doit rallumer ça, j'imagine. Ouais, j'avais dû rallumer ça. Alors, t'es mort. Une batterie. Là-bas, il y a l'air d'avoir un disjoncteur. C'est moyen efficace. On va leur balancer une petite bombe. Ah mais elle se recharge aussi. Tiens, c'est marrant ça. Y'a de l'eau là? C'est pas évident mais on va partir du principe que sans doute. Ok, ça a fait le taf. Et là, on peut passer du coup de l'autre côté. Tiens, on peut même passer en dessous. Ah non, on peut pas passer en dessous. Non, on peut pas passer en dessous. Alarme. Saloperie. Donc ça, c'est électrifié. Très bien. Breaker. Ok, on enlève le disjoncteur et c'est plus électrifié.
trouve plein de potes de soins. On va en consommer une tant qu'à faire. Donc maintenant, c'est plus électrifié, parfait. Alors déjà, la petite caisse de secours. Un couteau, un marteau, pardon. Un peu de loot, un peu de loot. Encore un peu de loot, et on arrive où? Là d'où on vient, intéressant. Ok, c'est bien utile tout ça. Requis courant électrique. Phil went down to filtration. Ah ok, il faut le disjoncteur. Allons-y. Ramenons le disjoncteur. Au moins il met pas le feu. Attends, mais t'en as fait quoi? Reprends-le. Reprends-le, reprends-le, meuf. Breaker. Voilà. C'est ouvert. Hello? You there, Phil? Alors. Notre truc anti-incendie. C'est parti. Un contaminé pompier. J'imagine qu'il doit être. Insensible aux flammes, un truc du genre. Contaminé pompier. De courageux membres de nos chers pompiers de LA, il ne reste que des morts vivants refroidis. Ok. Même pas, ils ont même pas l'air d'être particulièrement résistants. Une clé mort. Mais oui. Mais bien sûr une clé mort, mais tous les jours une clé mort quoi. À la place de notre petit couteau là. Une clé mort, excellent. J'aime la clé mort. Alors Phil. This shit's got everywhere. Je suis assez d'accord, c'est un petit peu le bordel. Putain, c'est marrant, visiblement il est plutôt immunisé à plein de trucs le machin. Là. Putain, il est immunisé à l'électricité, il est immunisé au. Il est immunisé à tout quoi. Send it left or right. Ok, c'est bon à savoir. Oh yeah, oddly satisfying. Pourquoi pas une Morgenstern? Écoute, c'est un petit peu ce à quoi ça ressemble quand même notre gros marteau là. Nearly there. Avec just des piques. Fix the plumbing to open the door. Plus qu'à réparer la plomberie pour pouvoir passer. Alors oui, j'entends bien. J'imagine qu'il faut passer de l'autre côté. Something to do with pressure and turning the valves. Maybe it's like pumping your tires? I guess the pressures need to match. Oui, tu m'électrocutes, je le sais. Ok, donc là, 50... 20. C'est tout? T'es sérieux? Ah mais du coup ça envoie de la flotte là. Les petits fumiers. Alors du coup ça va où ça? On peut casser ça? Oui on peut casser ça. Non on peut pas le casser.
Ça marche absolument pas de le casser. Si, ça marche de le casser, c'est juste que ça... ça pète au début. Bingo! Always knew I could be an engineer. Ta place, je me referai pas des fleurs, ça a l'air d'être quand même un petit peu la merde. Il y a des bruits douteux du genre douteux. Hey Phil, need your key. T'es un peu comment dire, pas très fut-fut des fois quand même, hein. Allez hop, on envoie le caustique. Ah, y'a un fucking pompier. Allez, on l'électrocute un petit peu. Ok, fil c'est fait, il nous reste un pompier, je verrai, qui est un petit peu énervé, même fois. On va prendre une petite potion, vu qu'il y en a plein. Un point américain. Un pied de biche. Clé des déchets, ok. Les gars, il ne faut pas utiliser l'évacuation d'urgence, espèce de gelée qui est en train de remonter de la cuve principale et le brûle. J'ai le bras en sale état, je vais me faire traiter, puis il faut qu'on rétablisse la pression pour la faire redescendre ou toute la distribution sera contaminée. Ah oui. Donc, qu'est-ce que tu fais là toi? Merci de décéder. Donc il y a quelque chose. Qui fait remonter du caustique de partout. Dans les tuyaux. C'est pas cool. Il est en train de taper sur ce truc là, mais c'est rien ça. Ok. Par contre j'avoue que c'est assez bizarre le coup de la quête qui était en mode oui bah faut retrouver Sam B, puis d'un coup on tombe sur un truc random et on peut aller chercher la clé quoi. Mais bon. Admettons. Personne d'autre. Ok. Avantage, afflux de puissance. Ouh, une grosse masse. Un interrupteur, ok, on va d'abord regarder un peu le stuff. Alors, l'épée, 191 de base, pas mal, la grosse masse, 178 de base. Un petit point américain. Alors, on va pouvoir se débarrasser de quelques-unes de nos vieilles armes, hein. Visiblement tout est un peu outdaté. Bon déjà on va voir ce qu'on peut mettre sur la clé mort, parce que la clé mort à mon avis elle peut faire plaisir. Clé mort enflammée, clé mort électrique. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Ou alors on affaiblit. Ouais, pas fan. Pas fan d'affaiblir. Augmente la vitesse d'attaque. C'était quoi? Augmente les dégâts et coups critiques et attaques puissantes. Oh bah ouais tiens. Et on va améliorer la vitesse. Et je pense qu'on va la mettre électrique, allez, hop, c'est parti. Et du coup elle est à 245, ok, très bien. Ensuite, petit point américain. Alors, je vais le tester quand même avant parce que je suis curieux de voir ce que ça donne. Ouais, manque d'allonge je pense. On va le démonter. Par contre le marteau, je pense qu'il y a moyen d'en faire un truc un peu vénère. Ah, on peut faire du caustique sur le marteau.
On va améliorer les trucs des membres, les dégâts aux membres, parce que je pense qu'il y a moyen qu'ils soient bien efficaces. Toi, on va te mettre un petit truc hémorragique. Et augmenter ta durabilité. On va enlever cette hache. En fait, on ne sert pas tant d'armes hein, au final. Hein. Il y a tellement, on doute tellement de trucs que on se sert pas de tant de trucs. Enflammé façon Excalibur. Ah, c'est vrai qu'il y avait un petit, il y avait de l'idée, hein, mais. Regarde, elle est classe quand même comme ça. On a notre petit sabre là qui est enflammé. Et du coup on a notre grosse masse. Boum. Qui sera je pense bien utile pour buter les gros tas. On a notre petit wasigashi, on a notre marteau. Qui commence à être un peu outdaté mais qui fait encore le boulot. On va appuyer sur cet interrupteur. Hey, this is Sam. We're almost there. On my way. Ah d'accord, ok, tout ça c'était pas pour la quête de Hogan, c'était juste pour sortir. Très bien. Ok. La carte, on avait pas un endroit que j'avais mis là? Ah oui d'accord, on s'était trouvé, c'était en sous-sol en fait. Et ça c'était pareil, c'était en sous-sol. Et nous on va complètement en face, mais en face il y a des barrières forcément. Est-ce qu'on peut passer ces barrières? On n'est pas obligé de tuer la moitié de la map, hein, ça sert à rien. Toi t'es mort toi? Tu sais sauter? Non, tu sais pas sauter. C'est ouf. C'est plutôt plutôt par là. 90 mètres. Ouf, ça fait une petite chute là. Ouais, ça fait une petite chute. On va enlever la batterie. Au cas où. Alors, il y a de la musique, est-ce que c'est de la musique in-game ou non? C'est de la musique de quête, ok. What's up, dudes? Ronnie says this place is packed with guns. Get to busting this gate open. T'en sais des choses, Ronnie? No bueno! Et genre. Maybe this wasn't such a good idea. Stand the fuck back. Ouais, c'est comme s'ils avaient pas essayé avant moi, quoi. Moi aussi je veux la même. New friends. I got this. Get the guns. He's got it. Whose place is this? Nicky Gut, big game hunter on cable. I saw her a snow leopard once. Badass, give me one. Fake snow too. Locked. Oh, holy shit! Well, here she is. Not looking so hot today, Nicky. Hey, bitch! Still think you're too good for Ronnie fucking rescue? Ah! Ah bah, c'est dommage pour toi, Ronnie. Hein. Je crois que t'as douillé ta mère. Oh, dude! Hey, I kinda knew that guy. Alright, you freaky fox. Let's do this. Moi aussi je peux crier. Wow. Tapons là-dedans. Putain, mais ils sont combien? Sa mère.
Ok, ça finit par péter, ça fait toujours le taf. On va prendre notre gros marteau. Ah, nous aussi on a un gros marteau. Oh putain, c'est ouf. D'accord, elle tombe pas. Merde, j'ai même pas eu le temps de me planter ma seringue. Elle fait mal, hein. On va peut-être sortir Excalibur du coup. Alors où est-ce qu'on reprend? Ok, ici. On ouvre, on va pouvoir passer, non? Ouais. Espace pour passer. À terre là. Alors, on va dire, on va prendre Excalibur. Ok, c'est un petit peu lent. On va pas se mentir. Ah putain, ça explose ici aussi. Est-ce qu'on peut pas prendre genre une bombe? C'est la bombe ça? Ah oui, mais c'est vrai que ça... Dégage! Ça le plaît! Aïe! Petit soin! Hop, ça les repousse! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette sympathique petite... dans ce sympathique petit jardin? C'est toi, Nikki? Tiens, t'es mouillé. Si on t'électrocutait un peu la tronche... Bordel la... Ah merde, coincé contre un mec tranchant, je sais pas c'est quoi mais... Wop. Putain, faut se faire. Tirons-nous. C'est un peu trop la merde. Ok, on va prendre plus rapide. Par contre elle en attire mais tellement... C'est l'enfer quoi. On lui a rien fait encore comme dégâts. Faut qu'on crie. Ah putain, mais... Elle les fait venir en boucle. C'est hyper tendu, hein. Waouh. Et là du coup, à chaque fois je recommence au départ. Ok, chaque fois je recommence au départ. Mais mes armes sont cassées. Non, mes armes ne sont pas cassées. On va prendre le petit marteau. No bueno. All right, you freaky fox. Let's do this. Ok, on recommence. On va répondre un petit peu de cette saloperie partout. Jusque sur toi. Ils sont un peu trop nombreux là. Résiste aux flammes, hein. Aïe. Allez par là-bas. Allez par là-bas. Il y a des trucs à bouffer là-bas. Vas-y. Voilà, ça te fait taire un peu.
shooting. Trousse de soins supplémentaires, tiens. C'est bien, bonne idée, t'es monté. Allez, à terre, à genoux, meurs. Maintenant faut en finir avec cela, sans crever de préférence. Alors qui reste? Un petit traînard. Bon, bah les armes rapides ça reste le must. Hein. Elle m'a rien donné d'autre que des composants électroniques. C'est un peu triste. Faut dire les choses. Ouf. Ok, un petit truc de soin. Nickel. Encore du soin, un bidon d'eau, on s'en fout du bidon d'eau, une douche. Bon bah Ronnie, je crois que c'est fini hein. Oh man. Bad luck Ronnie. Bad luck ouais. Oh là là. C'est pas de chance. J'espère au moins qu'il y a des flingues parce que ce serait dommage. Booyah! Qu'est-ce que tu fais toi, toi? Ronnie got eaten. Shit! It's not your fault, alright? People who ain't like us don't last out here. I told him, but he wanted to be the big fixer. I got bit to fuck just keeping him alive this long. Grab a gun and let's get back to Emma's. All right. Ah oui, effectivement, il y a quelques flingues, mais je peux pas en prendre. Donc j'ai le droit de prendre un fusil. How you like me now, dumbass moaners? Shit! Every zombie in the neighborhood must have heard those screams. Find a window upstairs and shoot any motherfuckers coming into the backyard. I'll cover the driveway side from the front door. Wait, why aren't I shooting these suckers? Des petites munitions. Alors du coup, maintenant on a un flingue. On va le mettre à la place. Bon, l'Excalibur, au final l'Excalibur est beaucoup trop lente, ça me va pas. Monter à l'étage. Faisons ça. Let's see what this baby can do. Ah, tu fais moins le malin sans jambes hein. Que c'est pas des coureurs. Oula, il y a du gros tas. Merde, il y en a un qui est rentré. Désolé. Ah, d'accord, ils arrivent sur moi. L'autre il me couvre pas du tout, quoi. Quelques-uns qui ont dû rentrer là. Couper des jambes. Ah! Ah la vache! Un baveux. Un enfoiros. Là, il est où? Il crache dessus là.
pas les couper les jambes, lui. Hein. Yeah, that took you by fucking surprise. Redescends. Voilà, parfait. Merde, j'aurais dû me ressourcer juste avant. C'est ballot. Et du coup, j'ai plus masse de munitions. Ah, il m'a même pas donné sa clé, Nicky, l'enfoiré. Je l'ai pas vu. Le penthouse Bordeaux. Penthouse, deux chambres. 5 000 $ de rabais, le dressing de la chambre principale est actuellement condamné en raison d'un problème de canalisation. Better test the sights. On peut monter, non, on peut pas monter, c'est verrouillé. Bon, j'ai un peu cramé de la munition comme un connard, mais en même temps c'était le but. Hein. Et donc là, il m'aurait pas laissé sa clé, l'autre là. Ouais, non, il m'a pas laissé sa clé, c'est un petit peu triste. On va dire, pour le moins. Enfin, tant pis, hein, c'est comme ça. Désolé, Ronnie. Avantage, chargeur rapide. Voilà, c'est parfait. Je pense qu'on va commencer à améliorer les. Alors les deux armes bleues qu'on a, c'est dommage, elles sont. Elles me plaisent pas des masses, mais le marteau là, je vais payer pour lui monter de niveau. Pour le rattraper, parce qu'il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup ce marteau. Enfin, cette masse. Hey, having fun? Hell yeah! I'm nearly done. I'll see you back at the house. So there's a CDC doctor still in Santa Monica. They want to make a vaccine with my blood. Mm, that's so. We can all go. Safety in numbers. One thing I've learned. The voice on the radio promising to fix all your shit never happens. We're doing just fine. C'est pas fou. If Emma came along, you wouldn't stay she behind. Won't. I wouldn't bet on it, man. She'll surprise ya. Et on a eu un mode perforateur. Ah, on a un nouveau truc ici. Toucher avec un objet à lancer déclenche un bonus de recharge cumulable. Un bonus de recharge. Ok. Je pense qu'on va plutôt prendre les dégâts. Ouais, le sac à dos, il le blinde un petit peu tranquillou bilou quoi. Bon, c'est dommage, on peut pas stocker plus de munitions dans notre casier. Hey, calling Casa de Jaunt. Anyone there? Did Michael get back okay? Hello? Yes, I'm here. Michael, you made it! Yes, getting back was a lot easier. You talked to Emma yet? No. Dude, relax. You got this. See you soon, okay? Getting out of LA. Yeah, I'm getting out of LA.
je la trouve un chouïa trop positive. Oh mais ces graphismes. Ah, c'est horrible. Alors, il y avait une quête secondaire normalement ici. Qui était ici. Hyper loin donc. À côté de, je sais pas ce que c'est, un casier. Ah oui, un casier pour nous, ok. Et nous on est F4, on est là, d'accord. Ici il y a des crasheurs. Là un atelier. Là il y a un truc qu'on a ouvert. Ok. Là des fusibles. Ici des hurleurs, bah oui normal. Hein, c'est la maison de Nikki. Ah ici il y a des hurleurs sur la route aussi. Et là des casseurs. Ouais c'est là qu'on a fait le tour tout à l'heure là. Pour atteindre la maison de chantier. Donc la quête secondaire, on dirait que c'est dans la maison de Jesse. Alors, est-ce que je peux remettre un point de navigation? Genre là, hop. Et du coup c'est à 200 mètres par ici. À 200 mètres par ici, dans la pampa, ça se fait dans la pampa, on évite les baveux, on y arrive. Je pense que ça se fait. Du coup, genre vraiment en ligne droite, par là, là, entre les maisons. Par contre, faut descendre. Saloperie de route. Alors on peut commencer à ramasser des balles de pistolet. Oh putain. Ah il m'empêche d'approcher. Putain. Aïe ça a pété. Oh la vache, ça va péter de partout. Oh, le hurleur dans le garage quoi, j'avoue que je l'ai pas vu venir. Hein. Waouh. Oh, une carte. Évacuation prioritaire. Zut. Alors... Je vois même pas le bout de la file, tout le monde est super à cran. Qu'est-ce que je te disais, il y a trop de monde qui veut partir par là. Dit le type qui est encore planté chez lui. Il n'y a que les idiots qui se précipitent, ce qu'il faut c'est exploiter le système. J'ai découvert qu'il y a une évacuation prioritaire pour les urgences. Les hélicos pour emmener les patients direct du toit. Dommage que tu sois pas aux urgences, hein. J'y serais dès que je me serais fait renverser en vélo. Une jambe cassée, hop, je m'envole. C'est la folie partout, jamais une ambulance va se déplacer pour ça. L'idée c'est de me faire renverser par l'ambulance. J'ai un tas de tracts pour dire aux gens qui restent chez eux d'aller au centre d'évacuation. Je leur dirais que je distribue pour l'armée et vont forcément m'emmener. Amène-toi plutôt ici et fais la queue comme tout le monde. Il y a une sirène qui approche, je te laisse Slother. Ça a été? T'es là? Bah, visiblement, ça n'a pas été. Ouh, il a été coupé en plusieurs petits morceaux. Ah, visiblement, il s'est fait renverser et l'ambulance l'a pas emmené très loin. Alors, ah, un plan. Mutilateur à distance inhabituelle. Bien. Mais voilà toi. S'il te plaît quoi. Respecte-toi un peu. Ah, je peux le shooter. Nickel, c'est cool ça. Ça me crame pas. De faire ça. On va en profiter. Coffre fort, ok. Un truc d'eau, très bien. Pourquoi pas, on va le balancer là-dedans pour l'instant. Boisson énergisante, on est full life. Il n'y a pas d'établi. On va ramasser les deux petites merdes qui sont dehors là. Et donc du coup on a dit il faut qu'on progresse.
Alors ça c'est pas la maison des hurleurs. Non. C'est une maison. Putain, par contre il y a effectivement un hurleur. Voilà, elle a plus de tête. Alors c'est un petit peu bruyant mais au moins ça fait le taf. Mon truc que j'ai lancé. L'autre, je lui ai arraché la tête, ça lui apprendra. Donc maintenant, on peut tomber sur ces enfoirés partout. Ça va pas être plaisant. On a de plus en plus de zombies spéciaux. Il y a comme un bruit désagréable en plus là. Cartouche de fusil à pompe pleine. Parfait. Petit coffre-fort. Oh, il est vraiment trop bien ce marteau quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est un peu haut. Ok, la voiture fait un amortisseur convenable. On s'en souviendra. Ok, on a fait la moitié du chemin. Il y en avait un zombie là, non? Ouais, il est là. Tiens, mange ça. Là, on va aller dessus, l'enfoiré. La carte. Par où on passe là? On est sur la route, c'est pas mal, on remonte la route. Ça me va bien. Et leur maison est juste là. Alors est-ce qu'on peut rentrer par ici? C'est pas dit. Si, ça passe. Ok. Un petit établi. Parfait. On va pouvoir regarder ce qu'on peut mettre sur le fusil. Mutilateur à distance, bonus aux dégâts physiques, émet affaibli. Bah écoute, on a que ça donc on va le mettre. Et là on a quoi? Augmenter la vitesse de rechargement, bah j'ai envie de dire. On a augmente la précision de base dessus. Alors il me faudrait 6000 pour l'améliorer lui. Et bah on y va. Voilà, 260, ça me va bien. Toi on va t'enlever. Vous deux, je suis désolé du coup mais on va vous enlever. Un petit bâton de beau. Impacteur au corps à corps, ça marchait bien. Et on va prendre coup critique et attaque puissante. Pied de biche, ça marchait pas mal aussi le pied de biche. Le petit marteau, il a bien fait le taf. Ça, c'est un peu trop lent. On va l'enlever. La hache aussi.
Par contre, je pense qu'il va falloir peut-être que j'en garde un petit peu pour vendre des trucs de temps en temps. Non, c'est pas là que je veux aller, c'est là. Hop. Toi, on va vous mettre quand même des mods. On va vous garder, mais on va vous mettre des mods quand même, ce serait un peu dommage. Alors. Perforateur sur le pied de biche, tiens. Ah oui, il est classe comme ça. Et. Ah, mais ça coûte de l'argent de mettre les mods, j'avais jamais vu. Ok, c'est pour ça que je claquais de la thune en fait. Très bien, bon, effectivement, il va falloir que j'arrête de recycler des trucs. Et que. Je revends un peu. Dégagé. Ok, je suis prêt. C'est bon à savoir. Ok, on va arrêter l'épisode de VOD là, il est largement assez long, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très vite pour la suite. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment, je bois un coup. Mais vous êtes pas très nombreux, je pense que Canton doit être sur sa partie, même pas. Et bah écoute, merci Canton, et ciao ciao.